C'était pas ma guerre! Bon, salut à tous, bienvenue à vous sur la chaîne de Captain Albator FR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo rétro gaming. On va partir faire la guerre. On est des fous furieux. On va jouer à Commando. Commando, c'est un run and gun qui est sorti en 1985, qui était édité et développé par Capcom. Le fameux Capcom. Alors, sans plus attendre, voilà. Alors, ce jeu avait la particularité, et même en salle d'arcade, hein, quand j'y ai joué pour les premières fois, c'est un jeu qui est extrêmement punitif, difficile, parce que y a des tirs de partout. Donc, très simple, on contrôle un petit soldat avec une mitraillette et des grenades. 6 grenades à la base et la mitraillette avec tir illimité. Mais vous allez voir que tout de même, malgré les munitions illimitées, on va souffrir. C'est parti. Rambo n'a qu'à bien se tenir. On balance et c'est parti. Donc on arrive en hélicoptère, c'est la classe. Hein. Alors à l'époque, hein, quand on a vu ça sur bande d'arcade, la première fois, c'était encore une fois, c'était ouf. C'était 85, il y avait de la couleur, il y avait... ça commençait à ressembler à quelque chose. On reconnaissait les soldats ennemis, on se reconnaissait nous. Voilà, c'était assez chatoyant, on va dire. On était dans la jungle, 85, je vous laisse imaginer, Rambo, tout ça. On était à fond là-dedans, et donc, fatalement, ça nous parlait. D'ailleurs, c'est ce que je dois reconnaître au niveau des développeurs, c'est qu'ils savaient développer les jeux au bon moment. Je pense quand même qu'il y a eu... Rambo y a été pour beaucoup. Donc là, évidemment, je ne fais pas trop attention à ce que je fais. Alors... on peut aussi tirer en diagonale, mais je vous avoue que moi, mon stick d'arcade, je pense qu'il a pris un coup dans la tête, ce qui fait que j'ai un peu de mal à faire les diagonales. Si, quand je reviens, vous voyez. Mais sinon, pour monter, je pense qu'il a pris un coup. Je l'avais prêté et je pense qu'on me l'a massacré. Donc il faudra que je change ça, mais quoi qu'il arrive, on va quand même avancer. Donc là, pour l'instant, c'est incroyable, même en parlant, là, j'arrive à... aïe ! Alors vous voyez, dès qu'il y a des petites aspérités, vous pouvez plus avancer. C'est... voilà. C'est punitif quoi, ça punit, c'est punitif. Attention, lui il saute, lui non, voilà. On va balancer une grenade. Ah, je vais pas pouvoir sauver mon mate. Je vais pas pouvoir sauver mon mate. Aïe 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 aïe, je meurs. Donc bon. Comme vous le pouvez le constater, pour avancer dans le tableau, c'est pas simple. En plus, là tout de suite, je ne saurais pas vous dire combien il y avait de tableaux. On va essayer quand même d'avancer le plus loin possible. Bon, regardez un petit peu ça, c'était sympa. Pour mettre son nom, c'était la classe. On tirait directement sur l'alphabet. Et moi, je trouve ça assez cool, quoi. Bon, donc là, je suis 7e avec 8100 points. C'est de la merde. C'est parti. Nom de Dieu, il sera pas dit que j'aurais pas passé le premier niveau. Alors, rien que pour vous, on va faire le taf. Donc ce jeu, bien sûr, a été, c'est pareil, hein, il est sorti sur Amstrad CPC 464, il est sorti sur Amiga, sur Atari ST, etc. etc., etc. Avec plus ou moins de réussite, bien sûr, hein, sur l'Amstrad, c'était compliqué, mais ça restait cool, quoi. Un jeu aussi qui est sorti, mais que je vous testerai, je ne sais pas si ce jeu était sorti en salle d'arcade, Ikari Warrior, qui là permettait de jouer à deux simultanément. Et j'y ai beaucoup joué sur Amstrad CPC 464 et sur Atari. Et le fait est que je ne sais pas, il me semble que c'est sorti en arcade, mais moi je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Alors vous voyez, en fait, le seul problème au niveau des graphismes, c'est que les palmiers sont de la même couleur que l'herbe. Et on ne voit que très très peu le tronc, ce qui fait que moi je me cogne souvent dedans. Alors autant quand on le voit sur le sable, on reconnaît bien, on voit bien le dessin du tronc. Par contre, quand c'est vert sur vert, c'est un peu délicat. Alors allez, je vais quand même essayer d'avancer, mais je vous avoue que ce jeu, comme je vous le disais, est un jeu extrêmement dur. Alors peut-être que d'autres personnes ont plus de shoot que moi, hein, par rapport à ce jeu-là, mais je vous avoue que moi, ça a toujours été compliqué, même en arcade, je pense pas que j'ai été bien bien loin. Mais j'aimais quand même ce jeu, il me faisait pas tant rager que ça. Et je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, la rage, ça existait pas trop. Oh là là! Ça, c'est pas gentil, ça. Bon, en plus, vous voyez, hein, les balles, elles vont pas très vite. Mais malgré tout, elles touchent leur cible. Hein. Alors, mais c'est... moi, franchement... alors, je dirais pas que le jeu est injouable. Hein. Mais, je sais pas si des gens ont réussi à finir ce jeu, quoi. Parce que... franchement, pour moi, c'est insane, quoi.
Après, si vous connaissez ou si vous-même, en tant que vieux joueur, vous avez réussi à finir le jeu, eh bien écoutez, faites-moi signe dans les commentaires. Parce que je veux voir ça, c'est se dire, voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une recherche sur YouTube. Peut-être effectivement que je trouverai des gens qui ont été au bout. Parce que là, par contre, on peut pas utiliser les continues. Donc, quand vous perdez, vous recommencez directement au début. Et ça, bah, ça fait mal, hein, parce que là, aïe, 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 aïe. Allez, allez, faut que j'avance. Ah non, mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est ouf, les gars. Ok, si, d'accord, il te fait reprendre un petit peu... Ah, ça, c'est des munitions. Bah voilà, je viens de découvrir qu'il y avait des munitions, les gars. Putain, les gars, fallait me dire, putain. Allez, 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 allez. Donc voilà, édité par Capcom, 1985, arcade. Waouh. Ah oui, voilà, je me rappelle de là. Ils avaient des mortiers. Non, mais c'est pas des mortiers, si, des mortiers. Et les mortiers, ils faisaient archi mal. Mais archi mal. Et voilà, je recommence au début. Allez, allez, allez. Ce sera pas dit qu'on passera pas la grande porte, messieurs. Non, non, attends, moi, je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Allez, 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 allez. Ouais, non. C'est des dingos. On peut même pas parler d'intelligence artificielle à ce niveau-là, hein. Les mecs, ils tirent, ils font leur taf, hein. Tu leur dis, je tire. Non, mais c'est moi qui vais sur la balle. C'est compliqué, compliqué. Ce jeu est compliqué. Alors, voilà, je pense que vous... Enfin, pour les anciens, hein, bien sûr, vous avez dû connaître ce jeu. Bon, bah, pour les plus jeunes, fatalement, une fois de plus, hein, c'est une totale découverte, j'ai envie de vous dire. Et évidemment, hein, ça va pas... Ça paye pas de mine, toujours, mais c'est ça. C'est aussi un pan de l'histoire du jeu vidéo. Ces jeux ont fait les jeux vidéo que vous connaissez maintenant. Voilà. Avant d'avoir des consoles, avant d'avoir les PC, etc., ben, on avait les salles d'arcade. Et c'est comme ça qu'on, bah, qu'on découvrait les jeux. Ça nous coûtait un blé fou. Je pense que ça faisait pas plaisir au porte-monnaie des parents, surtout mon père. Moi, je me souviens que des pièces de 10 francs, j'en ai avalé. Les machines en ont avalé, croyez-moi. Mais c'est ce qui a fait que je suis devenu un mordu du jeu vidéo. Bah, c'est les salles d'arcade avant tout. Enfin, les salles d'arcade, les bornes d'arcade, soyons bien clairs. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, je n'ai pas forcément été tout de suite dans des salles d'arcade parce que j'étais trop jeune. Mais le fait est que j'ai eu l'occasion de jouer aux bornes d'arcade très très tôt. Grâce à mon papa, voilà. Tout simplement parce qu'on allait dans les cafés. Et oui, à l'époque, on allait dans les cafés, même quand on était enfant. On mangeait un sandwich jambon beurre, tac, bim bim, et puis en même temps, on jouait. Allez là, bon allez, dernière tentative pour arriver au portail et voir même le passé. Mais franchement, je suis sceptique, les gars, parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Il est très dur. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez le tester, faites-le. Et si vous faites un meilleur score que moi ou si vous allez plus loin, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, à me laisser le lien de vos exploits. Et ben, je ne manquerai pas d'aller voir ça. Mais vraiment, je ne sais pas. Hein. S'il y a des gens qui arrivent à aller plus loin que moi, bon, après, peut-être qu'avec un stick arcade qui fonctionne correctement, c'est-à-dire qui fait les diagonales, j'aurais peut-être une chance de m'en sortir un peu plus, en tout cas en avançant. Les diagonales fonctionnent dans le sens inverse quand on recule, malheureusement, pas pour avancer, et du coup, bah, effectivement, ça me grève, hein. Alors que là, vous voyez, ça fonctionne. Non, non, vraiment, je suis... C'est normal, hein, parce que j'ai emmené ce stick arcade dans des petites conventions ou dans des ludothèques pour faire découvrir ça aux plus jeunes. Et malheureusement, bah, les jeunes, les stick arcade, ils les défoncent. Hein. Ils s'en foutent, quoi. Ils se rendent pas compte de... je pourrais pas l'avoir, c'est impossible. Allez, 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 j'avance. Ce que je veux, c'est avancer. Essayer de m'occuper. C'est bon, j'ai eu le mortier, les enfants. J'ai passé la porte, les gars! Putain, je suis le meilleur! attention, attention, mortier, les gars! C'est des oufs dans leur tête! Ouah, il m'a loupé! J'avance, les gars, j'avance, 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 j'y crois! On y croit! Grenade! Oh, il est pas mort! Il est pas mort! Attention, attention, j'ai jamais été aussi loin, les gars! Je l'ai fait pour vous! Aïe 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 aïe! Oh putain!
Grenade. Ah, grenadine, y'a. Oh putain. Alors, je pourrais pas vous donner la... Je ne sais pas où de quel... Oh purée. Oh, regardez, il y en avait un nouveau. Bon, j'essaye de tenter, hein, c'est le dernier. Tant pis, dans la vidéo durera un petit peu plus longtemps. Mais là, franchement, on peut pas... Eh ben non, voilà. Ah mais si, putain, j'ai plein de vie. Et j'ai 11 grenades. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grenader à donf. À donf, je vais grenader... Ah ben non. Ben voilà, c'était le game over. Oh là 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 là, mais quelle excitation, quelle pression. Alors, combien j'ai fait? J'ai fait 11 300, qui doit être mon meilleur score. Donc, comme d'habitude, on va mettre Captain Albator. Ou Captain, hein, juste parce que je crois que le Albator ne passera jamais. Ah, donc, Captain. Captain. Bon, ça, c'est sympa de pouvoir tirer sur l'alphabet. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez vous abonner parce que vous ne l'êtes pas encore, faites-vous plaisir. Je vous le dirai jamais assez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des anecdotes sur ce jeu ou sur d'autres jeux en arcade. Bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement sur le rétro gaming, c'était mieux avant. Et nous continuerons notre voyage dans le temps pour découvrir de nouvelles pépites et de... les jeux iconiques qui ont fait le jeu vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci de suivre les vidéos et ciao ciao.